Salut les filles, alors je suis aujourd'hui avec Justine, donc j'en profite pour faire plein de vidéos avec elle, parce que je sais que vous êtes friandes de voir sa petite frimousse, donc voilà. J'ai remarqué qu'elle était très bien habillée aujourd'hui, donc je lui mets un peu la pression, mais je vais faire sa tenue du jour en détail, très ethnique, très sympa. Alors vas-y, dis-nous d'où vient ce superbe t-shirt aztèque. C'est rue du commerce. Rue du commerce. Une boutique s'appelle Jade et Clara. Ah ok. J'ai payé 30 euros, un truc comme ça. D'accord, j'adore. Voilà, hein. Mais vous pouvez en trouver chez les envahisseurs aussi, j'en ai vu des comme ça. Mais il y en a partout en ce moment. Ouais, c'est à la mode. C'est hyper beau, c'est à la mode. Ton super collier. C'est une boutique qui existe que aux États-Unis qui s'appelle Lucky Brown, où ils vendent des trucs pareil, un peu ethniques et tout. Donc voilà, donc c'est un lien en cuir avec une pierre. Là j'ai une bague qui va un peu avec, que j'ai achetée aux États-Unis dans le Grand Canyon, c'est fait par des vrais Indiens. Wow. C'est une vraie pierre au milieu. La classe. Ouais, c'est une de mes préférées. Et l'autre, montre-la nous, celle que t'as toujours. Non, ça c'est pareil, ça, ça fait 1000 ans qu'elle l'a. Elle vient d'Australie, c'est un designer qui l'a fait. C'est un modèle unique, donc on peut pas la trouver. Ouais. Et c'est mon papa qui me l'a fait. Et voilà. Et ton vernis, il est super beau. Ouais, bah c'est un vernis Chanel. C'est le comment ça s'appelle? Black Pearl. Ah, c'est celui-là? Ouais. Waouh! Alors ça c'est un super bon plan ça, le jean, ouais, le short. C'est un short en jean Levi's. Vas-y, tourne-toi, montre-nous l'étiquette. Les garçons, ils ont des boutons comme donc ça. Donc à la base c'était un jean normal, ouais, qu'ils ont qui a été découpé. Pas moi qui ai coupé, hein. Et vous pouvez trouver ça dans des friperies. Dans des friperies, moi il m'a coûté 5 euros. Toi tu l'as acheté dans quelle friperie, tu sais? Une friperie qui est à Saint-Paul à Paris, la station de métro Saint-Paul. Moi ceux que je connais comme ça c'est chez Fripstar dans le Marais. Ouais, Fripstar aussi. Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Mais là il était vachement bien coupé et tout. Ah ouais, il est beau. Et il y avait déjà les fils qui étaient comme ça et ouais, tout, il était exactement comme ça. Alors, admirer son bronzage encore, que nous sommes presque en octobre. Alors, ces chaussures, c'est des spartiates? Ouais, c'est des tropéziennes que j'ai depuis hyper longtemps, et c'est bien parce qu'elles sont hyper solides, tu peux les mettre partout. J'ai même une copine qui va dans l'eau avec. Hein? Ouais. Ok. Sur la plage. Et tes boucles d'oreilles, on n'a pas dit. Ah ça, c'est pareil, c'est une boucle d'oreille. Ça, tout va bien ensemble, tout est bleu, turquoise. Ouais, ça en fait un peu indien, j'aime bien. Ouais. C'est une boucle d'oreille que j'ai achetée, pareil, dans le Grand Canyon. Quelle classe! Bon, et bien, aller au Grand Canyon, c'est la seule solution! Aux États-Unis, c'est pas très loin!